cravates ont l'air maussades. Ils n'ont vraiment pas la gueule à la rigolade. Branchés sur leur iPhone en perfusion, ils ont le rictus coincé à la Manu Macron. Pourtant on raconte que les nouvelles technologies sont censées développer notre potentiel d'amis, mais ils sont collés serrés dans le métro parisien. C'est chacun pour soi quand se lève le voisin. Les costards cravates cravachent pour ton avenir. Ils jouent à la bourse, c'est leur plus gros délire. Monopoly, grandeur nature, c'est vraiment le kiff. Ils aiment jouer au cow-boy et se prendre pour des chefs. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Malgré ces jeux éducatifs, ils n'ont pas l'air heureux. Ils rêvent d'être créatifs, mais gardent trop leur sérieux. Ils sont mauvais perdants, ne vous en déplaise. Car avec votre argent, ils se sentent plutôt à l'aise. Ils aiment jouer au cow-boy et se prendre pour des C'est pourtant grâce à nous qu'ils jouent nos lendemains. Le travail de la fourmilière, les labeurs du quotidien. Ont-ils peur de perdre leurs illusions de croissance pour nous faire sombrer dans cette douce décadence? Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Les costards cravates ont l'air maussades. Ils n'ont vraiment pas la gueule à la rigolade. Penchés sur leur iPhone en perfusion, ils ont le rictus coincé sous évaluation. Évaluation, évolution, révolution.